Cette fameuse nuit, l'enfant gisait au bord de la route, brisé. Pourquoi as-tu pris ce chemin si tard, jeune homme? Pourquoi avoir été si stupide, désabusé et aigri par les mots de ses parents? L'enfant était brisé. Physiquement, brisé mentalement. Les hommes en blanc le placèrent dans une chaise roulante, comme il riait. Et ainsi vécut le reste de sa vie. Un jour, le destin sourit à l'enfant, et ainsi il arriva à la mise en œuvre de sa destruction. Décision. Le dénouement n'était pas certain. Pro captu lectoris. Abens sua fata libelli. Ma vie. J'imagine qu'il faut prendre la bonne porte. J'opte pour la chaise roulante. D'accord, bon. J'arrive par la porte du flingue. Voilà autre chose encore. Tu ne survivras pas. Ça, c'est le nom de la sauvegarde. D'accord. Sérieux? Non. Je dois trouver la sortie. Putain. Alors attends, tout droit. Là, je vais tout droit là. Aïe aïe aïe, sérieux mec. Oh, c'est chaud. À mon avis, je vais pas être tout seul. Ah ! C'est quoi ça, c'est quoi ? Ils suivent un rail. Je sais pas où je vais, mais j'y vais.
Ah ouais, d'accord, c'est la mort assurée en fait. My God! Oh yes. Yes, he suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains upper body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all. Not to mention the mental trauma he suffered. From what I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Ouais, non, mais je retourne pas dans ce labyrinthe, moi, c'est hors de question, hein. Bon, Alors... Sniper... Je sais pas où il est. Donc, alors, il semblerait que notre ami Simon... ait vraiment eu donc l'accident, mais ne soit pas mort dans cet accident, donc l'accident qu'on a vu au début du jeu. Et Simon est devenu en quelque sorte un légume en fait depuis ce jour, et il avait déjà des désordres mentaux avant l'accident. Donc est-ce qu'il a fait quelque chose de spécial avant l'accident? Et la question c'est, où est-ce qu'on est là finalement? Est-ce qu'on est dans sa tête? Est-ce que ça se passe? Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas du tout ce que c'est, ce qu'on vit, si c'est avant ou après l'accident. Je sais vraiment rien du tout. J'aimerais juste savoir où sont les potes là. Mais faut que j'aille où là en fait maintenant? Bon, Wow. Sera pas plus. Ah, je peux pas avoir plus de 10 chargeurs de balles. Ah merde!
Bon. Hop. J'aurais dû les tuer avant. Je sais plus quoi faire maintenant. Y'a plus la sauvegarde, merde. Non! Putain, d'accord, ok. Putain, ça fait vraiment chier, là. Je vais virer quoi d'autre? Je vais pas virer mon VP sur ce putain, je sais pas quoi virer là. Le téléphone? Non, je peux pas. La matraque? Ça fait chier quoi. Ça fait chier parce que j'ai plus de corps à corps, là. J'ai plus d'armes de corps à corps. Bon bah tant pis, hein. Merde, c'était quelle porte? C'était celle-là. Je sais pas du tout... Hein? Ok. Bon. Je disais, je sais pas du tout sur quoi je vais tomber, mais... Là, si mon enregistrement a foiré, je pète un câble, il s'est passé trop de choses. Ça fait déjà 50 minutes que je joue en plus. Ok. Non. Oh non, non. D'accord, ok. Je vais essayer d'aller faire un tour là-dedans. Il y a une seringue. J'ai pas besoin des balles. Vu que je suis à fond. Mais la seringue, ça, ça fait plaisir. Ça fait zizir. Attention, attention. What's going on the other side of the door? Et toujours cette architecture un peu bizarre là, non? J'aurais presque recherché ma matraque après avoir posé un défusible.
Bon, alors maintenant, ce que je vais faire... J'ai envie d'aller chercher ma matraque, là. Oh, Pina, soyons fous. Bah, de toute façon, j'ai même pas eu le temps de... j'ai failli changer d'avis au dernier moment, mais voilà qui règle la chose. Seriously, am I? Or is there something else? I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, all right. Could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? I'm confused. I'm just very confused. So many questions, but no answers. I'll see what happens when I come home. Sauter. Pourquoi pas? Maintenant, on dirait.
D'accord, s'il me file le M16, à mon avis. Pas bon. Je crois que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Quoi est-ce qu'il y a par terre là ? Putain de merde ! Ok, bon bah je vais pas parler de M16 quoi. D'accord, en fait il veut que j'aille chercher son pied. Et j'imagine que le truc que j'ai vu au bout c'était un pied. Je gère un petit peu plus là, hein. Je gère la fougère. En fait, ils sont programmés pour pas venir jusqu'à moi. Bon, maintenant.
Ouais, bon, bah j'ai son pied, c'est cool. Demi-tour avec ce qui va me tomber sur la gueule, bien sûr. Il y a les par quatre chemins. Bon, en même temps, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est le métro. Bon, désolé, je suis peut-être un petit peu lent. Bon, merde, on voit rien. Bon, on re-sauvegarde.